الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى فين دنو توفيق إيمان. الله سبحانه وتعالى فين فينو دمية أمة أمة دي نبي كريم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى في الدن توفيق أبيك إيمان نو فين راسامبلي بو أكمبلي الجمعة. الله رسول صلى الله عليه وسلم dan hadis dijia en jumaa zista lo jumaa si kafara sedajia ka en musalman in accomplia en jumaa zista lo jumaa soban guna sagira ki di arrive come pa barkat so jumaa allah pa dun saban guna la alo nuatan nugai Safabiyala depi Allah Rabbul Alamin Allah fi qabul nu jum'a e Allah fi sabinan kafara tu Koma nu ete l'état ki nu ete halat ki nu ete Si nu évalue nuem nu fea ce ki nu appelle muhasiba C'est un terme qui servit de soufi, de tasawuf. Nous évaluer nous-mêmes. Hazrat Maulana Shah Abdul Alim Siddiqui Rahmatullahi Alayhi, in causa de son livre Kitab ou Tasawuf, l'explique concernant Mohasiba qui était. Et il y a un peu autant pour un musulman. Et encore les autres ulama inexpliqués avec moi concernant Muhasiba. Alors si nous faisons une évaluation de nous-mêmes, comment nous étions là en ce moment qui m'a cause avec vous, en tant qu'un musulman, nous avons iman, pas juste iman, nous avons yakin qui nous a besoin de quitter cette dunya là. Et un jour, nous allons nous rendre compte devant Allah. Nous allons nous croire l'akhirat. Et dans l'akhirat, ils sont croyants. Nous allons nous croire l'akhirat. Et dans l'akhirat, nous, en tant qu'un musulman, comme nous étions, dans n'importe quel état qui nous était, nous allons attendre que Allah, Rabbul Alamin, accorde nous son maghfirat, son pardon. Et nous pouvons attendre qu'en tant qu'un musulman, nous quittons la dunya et nous, Allah accorde nous jannat. Nous pouvons attendre ça. Malgré comment nous étions là, avec tous nos vangunas qui nous sont là. Nous avons ça l'espoir là. Que Allah accorde nous son pardon, son maghfirat. Et Allah accorde nous jannat. Alors là, Est-ce que le Coran donne-nous un conseil en tant qu'un musulman
si ton envie gagne Allah son maghfirat, si ton envie gagne Jannat. Et si tu n'es que pensant, tu n'as pas l'espoir là, tu arrêtes l'âme, ou bien il y a une petite chose, il y a un chemin qui t'a besoin de faire pour atteindre Allah son maghfirat, pour gagner Jannat. Et si Allah montre nous ça. Alors sans doute, le Coran est venu même pour ça. Le Coran est venu même pour montrer nous ce chemin qui amène nous vers Allah, son maghfirat, son pardon, ce chemin qui amène nous vers Jannat. Le Coran est venu même pour ça. Rempli ayat Coran. Et une série d'un ayat. Si nous ouvrons à 4e sipara. 4e sipara, Coran qui nous habitait lié à 13 la ligne là, là. Dans une certaine édition, 13 la ligne là, son numéro passe là même, un joli numéro. 92, c'est Nabi Karim, son nom Mohammed. Mohammed. On prend Mohammed, on calcule son balai numérique, on vous gagne 92. Page 92. Ou bien si vous voulez, Surah Al-Imran, troisième surah dans le Coran, est ouvert 130e ayat de surah là. C'est facile. Surah 3, ayat 130. Allah peut adresser lui à les musulmans. Allah peut adresser nous. Allah peut dire nous, peut donner nous un conseil, peut donner nous un ordre. Mais donne-nous une directive, mais donne-nous un conseil si tu as envie d'aller à Allah, son maghfirat, qui chemin tu as besoin de faire, si tu as envie d'aller à Jannat, qui tu as besoin de faire. Ziski, nous faisons un doa, Allah donne-nous tawfiq faire ce chemin-là. Allah donne-nous tawfiq faire ce chemin-là. Alors, ayat 130 de surah 3, surah Al-Imran. الله رب العالمين جاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أو من سلوكنا من إيمان بمانز لزيا ملتبليه بلزيا فوا تنين كتيم بمي من أحب لونتان دو تبي فيب لو ربا دو انجمون دا جيفكيلتي دو تبريتلي انسوم لازان et de te mettre un délai, tu veux dire, retourne-moi ça, de t'imposer une certaine somme surplus, quand arrive le délai là, je n'ai pas capable de rembourser, ben là, je vais te donner un petit délai, de doubler sa lisière là, sa somme là, et ça allait même comme ça, finalement, quand je n'ai plus capable de retourner ça, alors de te prendre tout ce qui est possédé, de te prendre, ou bien de te prendre ses enfants, ou bien son madame comme esclave. Islam est venu en ban ça. Islam est venu en ban ça principe là. C'était zulm. Au lieu d'un djimoun qui a la difficulté, on peut plus plonger la difficulté. Dans le hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit un peuple qui vit le lusir, il n'a pas fait succès ça. Alors Allah dit, oh, ben celui qui n'amène iman n'a pas mal intérêt multiplié plusieurs fois. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ et paix à Allah afin qu'il de réussir. Ensuite, ça c'est un lot. Ensuite, Allah dit وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Obéis à Allah et son Rasoul Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afin qu'ils aient bénéficié Allah sous clémence. Ensuite, c'est-à-dire, deuxième l'ordre de nous, obéis à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit obéis à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui Allah il déclare halal, halal, ce qui Allah il déclare haram, haram. Ce qui Nabi Karim il dit halal, halal, ce qui Nabi Karim il dit haram, haram. Ce qui Allah et son Rasoul il dit bon, il dit bon, ce qui Allah et son Rasoul il dit pas bon, il dit pas bon. Même si ça quitte cela, puis attire nous, Allah et son Rasoul il dit pas bon, il dit pas bon.
Ensuite, là, Allah, Rabbul Alamin, le pays, au de nous, Allah, Jawa, Sari'u, ila maghfiratim mir rabbikum. Ô ben musulman, pressez vite vers Allah, sous maghfirat, Allah, sous pardon, qui nous peut attendre, n'y là, là. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض et pressez vite vers sa jannat qui sont grandées les couvées à l'espace qui est énorme dans l'échelle et la terre jannat là bien bien grand qui arrivait au iddat lil muttaqin sa jannat là il préparait pour les muttaqis pour les gens qui ont frayé Allah. Avant ça, Allah dit, fais attention, pas désobéir à Allah, Rabbul Alamin, parce que Jahannam, il crée pour un kafir ça. C'est-à-dire, un monde qui gagne solamo comme kafir, le reste de Jahannam éternellement. Par contre, Jannat, ça n'a pas été créé pour Muttaqi, pour celui qui a iman. Et parmi les musulmans, s'y arrivé, qui quand il commet guna, capable d'arriver, Allah pardonne ce guna par son rahma, capable d'arriver, lui bénéficier shafa'at, un nabi, un Allah, ce wali, et capable d'arriver, lui subir certaines punitions, mais finalement, lui gagne jannat parce qu'il quitte dunya avec iman, sa condition, lui quitte dunya avec iman. Ensuite, Allah Rabbul Alamin explique Muttaqi là. Jannat là, il préparé pour ban Muttaqi ça. Alors, qui sont là Muttaqi? Muttaqi, qui sont là? C'est pas nous qui décidons de lever, vous dire, moi, je suis quoi, moi, je suis Muttaqi, moi. Non. C'est Allah Rabbul Alamin qui impose condition là. Critère là, Allah il impose lui là. Ce qui passe là-dedans, les Muttaqi. Même entier dunia pas reconnaître les Muttaqi, mais Allah et son Rasoul, critère qu'il a imposé, c'est du monde là, il passe l'eau là, du monde là Muttaqi. C'est-à-dire dans le jugement, Allah et son Rasoul, du monde là Muttaqi. Alors Allah dit à sa jannat là, il prépare pour les Muttaqi ça. Qui sont là Muttaqi maintenant? Allah dit, « Alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i » Saban Muttaqi là, c'est Saban qui dépensait, même quand il est bien, il est à l'aise, il dépensait, et même quand il a des difficultés, il dépensait. C'est-à-dire, il est naziste pour lui là, dans ce qu'il y a là, pour lui là, il tient là-dedans, il dépensait. Sana la Muttaqi. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i. Quand il est bien, il dépensait, quand il a des difficultés là aussi, il dépensait. Ensuite, qui est arrivé, qui critère il a posé? Allah dit Wal karimin al ghayra, man qui pèse de colère. Man qui pèse de colère. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam a une occasion, un sahabi vini. Il dit Ya Rasul Allah, donne-moi conseil. Nabi Karim dit La tardob, pas faire colère. Dire à Ya Rasoul Allah, donne-moi conseil. Nabi Karim dit, là, tu ne pas faire colère. Trois fois, Sahabi la pose question, tous les trois fois, Nabi Karim dit, là, tu ne pas faire colère. Sa colère-là, lui fait beaucoup de dégâts. Sa colère-là, il lui fait beaucoup de dégâts. Sa quantité, problème dans nous la case. Le temps où il y a la profondeur, là, où vous trouvez un point que de colère, il fait arriver ça. Sa quantité est là, qui est là. Très souvent, il dit, je dois coller à mon Algérie. La colère à une Algérie. Sa quantité, crime qui est là. À la base, je dis, il y a une folie colère. Alors, les banques contrôlées, les tirer, les taper. Allah dit, wal karimin al ghayra. Ensuite, wal'afina anin nas. Allah impose condition.
li pardonne banjoun. Quand nous y a pardonne banjoun, pardonne sa joun qui ne fait dito là. Vraiment, il est dur, oui, il est dur. Mais Allah, Rabbul Alamin, il met condition là, il met critère là, là, pour penser qu'à la fin, tu peux rendre une petite chose bien cher. Tu peux remis un jannat, non? Tu peux rendre une petite chose bien cher. Alors, pas attendre qu'on va dire pour gagner ça facilement. Ou le kadrimine al-raïwa, ou le rafine an-innas. Il pardonne Manjoumoun qui ne fait rien du tout. Pas fini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah lui pardonne man qui fait le bien. C'est-à-dire, ça du monde là, il fait aller du tout, mais demain, du monde là, il a un problème, ça n'a la première du monde qui a l'église, c'est bien. Il dit, il a pour faire ça. Vraiment, il dit, il a pour faire ça. Mais celui qui ne fait ça, Allah, Rabbul Alamin, peut dire, dès qu'il y a un petit plus devant, mon pardon, mon maghfirat et mon jannat est réservé pour toi là. Peut-être ou encore, rappelle, ce hadith que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit le Qiyamat pour une haine du monde pour venir les pour dire oh Allah un tel les doit moi les fait zulm le moi je dis mon ami raquitte ça avec lui Allah j'ai dit comme ça mais à telle place tu es en train de faire les tout la baguette sa place là. Je vous l'ai dit, quand il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, visite un peu de temps. Il retourne, il dit, il y a une jolie place, extraordinaire. Les gens disent, mais tu es content, il y a ça, toi. Les gens disent, oui, mais comment vous gagnez ça? Il y a tout le temps, il y a un surpris. Je vous l'ai dit, il y a une place, absolument, il y a une belle case. Comment dire, 100, 200 millions, écoute-moi, viens ça là, nous. Les gens, il y a moi, comment moi, écoute-moi, vous avez payé ce prix là, moi. Allah, j'ai dit, tu as payé. Allah, j'ai dit, tu as payé. J'ai dit, mais qui prime au payé? Les gens, dit, ça frère qui te paiera de raquitter, on dit là, là, tu n'es pas pardonné, tu gagnes ça. Tu n'es pas pardonné, tu gagnes ça. Je me l'ai tout de suite, il y a là, mon pardonné, mon préfère, ça n'a là. Pas juste là, Nabi Karim, il attrape son ami ensemble dans la jannat. Trappe sur la main ensemble dans la jannat tous les deux. C'est-à-dire du monde là, il paye prix. Hadith, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, ce jugement vraiment différent. Il n'est pas comme nous, ça. Allah, ce jugement, il me le dit. Alors quand Allah peut dire, « Wal kazimine al-ghayra » dans le hadith, Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, il explique ce terme-là. Mouina avec moi, Sunan Abi Daoud, on est tapé le potable, Abu Daoud, A-B-U, Daoud, D-A-W-U-D, après vous mettez un numéro, facile pour mettre ce numéro-là, un numéro potable, 4777. Subhanallah. 4777. Vous trouvez par exemple où l'écran, là, on let's part. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, les dit, man kava ma ghayran. Celui qui ne pèse son colère, wa huwa qadirun ala an yunafidahu. Pourtant, du moment là, il s'en a la force, il s'en a capacité, capable, comment dire, exécute sa colère là, il fait ce qu'il lui tient envie faire là là. Par exemple, on a une colère, moi, j'ai un homme dans mon ami, là, facilement, moi, je tape du monde là, là, moi, facilement. Moi, j'ai une capacité faire lui, dans un moment comme ça, dans sa colère là, Nabi Karim, c'est celui qui ne pèse coller à là et il n'y pas exécute ce qu'il a envie de faire là. Zo Kayamat qui peut arriver. Da'ahu Allahu Azza wa Jal ala ru'usil khalaiq. Allah peut appeler ça du monde là devant tout le monde du monde dans Maïdan et Hashr. Zo Kayamat, Yawm al-Qiyamah. Zo Kayamat pour Allah appeler ça du monde là par son nom, côté un tel, devant tout le monde. Et Allah peut dire Hatta yukhayirahu Allahu. Min al-hur il-ayn ma sha'a. Et Allah peut dire choisir qui hour ton envie rester avec lui dans le jannat, prends-lui toi avec toi. Du monde là, il paye son colère, son récompense. Allah dit reste dans le jannat. Choisir hour qui ton envie tu restes avec lui dans le jannat. Dans Sunan Abi Daoud, hadith là, il paraît. Et dans Jami At-Tirmidhi aussi, hadith là, il paraît. Oui, Jami At-Tirmidhi. Ou rétablir le potable, T-I-E-A-M-I,
M-I-Z-I, Tirmidhi, ou mettre un hadith, référence-là facile. Référence-là facile. Quand on dit à l'année 2021, tout le monde facile rappelle-lui. Alors on est tapé Tirmidhi 2021. On trouve le hadith-là dans l'écran. Nabi Karim dit ça. C'est lui qui pèse ce colère dans un moment qu'il est capable d'exécuter ce qu'il a envie de faire. Donc Allah pour crier lui parmi tout le monde. Allah pour dire allez, choisis Ahour qui est ton ami gagné aller à Al-Dajanna dans sa mort. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un dîme qui explique nous ça. Pays ce qu'il y a là. Gagne l'habitude de pardonner. Qui fait, parce que ça dit tout, qui dit mon la péché à là, il n'est pas pour faire plus qui ce qu'il y a là, il n'écrit. Pas pour une appli pire qui l'amour, ben il y a. N'importe comment tu peux moi-même, toi, si tu l'amour, il n'écrit pas ce coup de sable, mais tu peux moi, coup de sable, toi, vous chapitre à toi. Alors, pardonne du monde là. Parce qu'il nous pas attendre non rien dans dunia nous pour quitter dunia là là nous dans akhirat nous pas attendre pour gagner jannat Allah dit Allah il a crié là là tu pardonnes celui qui ne fait pas dit tout et tu fais du bien en retour wallahu yuhibbul muhsinin après ça qui sont là qui critère Allah dit wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum muttaqi c'est ça manjemon qui n'a arrivé à commettre un guna description qui s'en a qui Allah peut donner là Moutaki parce qu'il dit là-haut non au Iddat le Moutakin après il peut expliquer Moutakin là qui s'en a dans il peut expliquer Moutakin qui s'en a Allah dit walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusakum. Ce qui veut dire être muttaqi, jamais tu veux dire, jamais du monde là comme être gouna, mettre bien dans la tête. Une fausse conception, ça. Il mal explique nous, masla là. Il fait nous croire, un du monde muttaqi veut dire jamais lui commettre un gouna. Ou bien du monde là croire, être un wali veut dire jamais lui commettre gouna. Non, une fausse conception, ça. Capable d'arriver. Capable d'arriver un du monde, ni Allah ce wali. Mais un gouna est échappé. Un gouna est arrivé. Alors Allah dit à Moutaki, c'est Saban qui va le dire, il a fait un fahishatan. Ils ont arrivé comme un acte indécent. Fahisha une série. Il n'est pas parce que c'est une petite affaire là. Il est parce que c'est une grande affaire. Il est comme un comment dire, une affaire grave même là. Il a fait un fahishatan. Ou bien d'en faire l'injustice contre eux-mêmes. Quand il arrive ça, qu'il doit faire Zakarullah, de penser à Allah. De finir comme être gounah là, de penser à Allah. Et quand on pense à Allah, Allah dit à Saleh Allah, Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Apporte Allah qui s'en a qui pardonne gounah. Apporte Allah qui s'en a qui pardonne gounah. Mais seulement, voilà, nous suivons à la mafane. Donc, n'a pas insisté là, ce qui doit arriver comme être là. N'a pas insisté là. Quand on arrive, il finit comme être gonna là, de te ressaisir. Alors, ayet là, il descend dans une circonstance. Il dit, bon, on connaît une circonstance là. Un sahabi. Nasso, madame. Le sahabi là est sorti pour voyager pour quelque temps. Alors, il fait un arrangement avec son camarade. Il dit, tous les semaines, tel jour, tu amènes telle commission, tu as quitté ça avec mon madame, tu as un service. Le camarade là, un bon camarade avec lui. Il prend ça là. Ça n'a là quand il allait, quand il arrive jour, ça le dit mon là qu'il a fait, il prend commission, il a amené pour quitter pour son camarade, son madame. Le camarade là, son madame, ouvert à la porte, avec son ami pour lui prendre un sac là. Ça n'a là, il s'allait là, Shaitan, il n'a qu'à parler, il attrape son ami. Comment il attrape son ami, madame là, il son ami, il dit, paix Allah concernant ton camarade parce que moi, son madame. Alors, astia, ça dit mon là, il réalise, qui mon a fait là? Qui m'en a fait là?
sorti aller astier ça peut fatiguer moralement ça peut fatiguer qui mon à le faire les quitte la cale aller il est bien loin tout seul et là Remo dans lui qui mon à le faire sahabi la retourné sahabi la retourné il a dit ben moi tu fais l'arrangement avec un tel parce qu'il n'amène toi une commission il donne toi. Madame là, j'ai dit, hein, pas que tu camarade avec moi, là, tu pas connais qui est arrivé. Je dis, qui est arrivé. J'ai dit, ben, j'ai une commission, et t'as mon envoyé la main, vous prenez la commission, il trappe mon ami. C'est ce ça, j'ai dit, hein. Mon bon camarade, ça, mon fait confiance. Mon bon camarade, lui aussi, comment dire, il a une affaire fatiguée. Mais c'est moi, ce bon camarade, il connaît bien. Il connaît, il n'est pas une journée de nature, il n'est pas comme ça, là, il connaît. Alors, il sortit pour le rôde. Al Rodli, ben il pas là, il quitte la carine aller. Rodé arrive avec beaucoup de temps, les récits joignent avec lui d'un endroit retiré, d'une beau montagne, lui tout seul bien fusé. J'en ai là, il trouve lui tranquille, il est allé depuis pas de hier. Il y a beau sur la main, les épaules, ce camarade-là. Ce camarade-là, il connaît. Mon camarade, il trouve lui comme là, il vient figuer, il ne parle pas de montrer lui, ce figuer, pas la honte. Pas la honte. Il a dit, hey, qui arrive-toi? Il a dit, hey, pas cause à moi, pas cause à moi, mon pas envie trop personnel. Il a dit, hey, ce qui est arrivé, il connaît qui est arrivé. Il a dit, mais ce qui est arrivé, oublie ça, toi. Demande pardon avec Allah de la pardonner. Il a dit, non, mon commet une affaire bien, bien grave. Moi, je suis capable de montrer toi figure. Il a dit, non, pas besoin de gagner un tracas. Nous allons, nous pouvons mettre côté Rasoul là. Il a dit, non, là-bas, encore, moi, on peut aller. Camarade là, récit convaincu, amène-lui devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Comment il vient devant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, dans sa halat qu'il est venu, avec son remords. Jibril alayhi salam, il descend à Yatla là. Jibril alayhi salam, il descend à Yatla pour confirmer Magfirat Sajumon là. Nabi Karim dit Allah, il pardonne-toi pour ça. Remords qui t'en est là. Allah, il pardonne. Alors Allah dit, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذدمن قادوا بك الله فزد غنا ومن يغفر الذنوب إلا الله أبات الله كسانك فادون غنا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون كذن كوني سا غنا من الكوميت ذبا هيرين بيسا انكو Quand il arrive à cette étape-là où on respecte sa bonne critère-là ou bien on satisfait sa bonne critère-là, Léala Allah dit Sabanla de vous gagner Allah son maghfirat et Sabanla de vous gagner Jannat et ça il préparé pour Bannania Majrul Amirin une grande récompense pour Banjumun qui ne fait un mal d'après conseil qu'Allah a donné. Surah 3, ayat 130. Sa khauf qu'un musulman bizayena. Et en même temps, ça l'espoir que nous visons de Allah sur Rahmat. Moi, avec moi, Sahih al-Bukhari. Nous vous terminons avec ça vite. Sahih al-Bukhari est 7563 hadiths. Vous voyez bien, 7563 hadiths de Sahih al-Bukhari. On explique que ce dernier 60 hadiths-là extraordinaire. Dernier 60 hadiths de Sahih al-Bukhari. Et un parmi les hadiths-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, alors hadith de Sahih al-Bukhari, hadith numéro 7507, hadith-là il paraît de Sahih Muslim aussi, Sahih Muslim hadith 2758. Sahih Muslim, hadith numéro 2758. De tous les deux, il a dit. Wording cela différent, mais cisez là, les mêmes cisez. Qui Nabi Karim dit, dans Sahih Muslim là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, Aznaba abdun zamban. Nabi Karim peut dire qu'Allah dit, un banda est arrivé comme être guna. Il est arrivé comme être guna. Quand il finit comme être guna, il reconnaît. Les dit Allahumma fir li zambi, oh Allah pardonne mon guna. Oh Allah pardonne mon guna.
فقال تبارك وتعالى الله لذي أذنب عبدي ذنبا مبندا إن كويت أن قناه فعلم أن له ربا مثل ما لكوشا لكونين ينان رب كي بوبادون لي ينا سا لسفوالا لين كويت قناه مي أن ممتن ينا إيمان موينا أن رب كي بوبادون موا فعلم أن له ربا يغفر الذنب Liena, li konen liena no rab ki pou pardon so guna, alo li pedeman pardon avec Allah. Plita, li fini fè taouba, plita arrive di mon arrêt comme et guna. Li re fè taouba, li di a mouen no rab ki pou pardon mo guna. Li tini lola quelque temps, arrive li re comme et guna. A chaque fois qu'il commet guna, li fè taouba, Allah dit à moi, banda in komet guna, mais seulement il connaît et un rab qui peut pardonner ce guna. Nabi Karim dit dans la fin hadith là, Nabi Karim dit, Allah dit, i'mal ma shi't, faqad ghafartu laka. Commet quand tu es guna, me pardonne-toi à une seule condition, tu fais tauba. Imam An-Nawawi, les talifés commenté à hadith là, il dit même si je m'en lâche 100 fois, il répète guna là, il fait guna, et il fait tauba, Allah pardonne. Même 1000 fois, il commet même guna, Allah pardonne. Jusqu'à Imam Nawawi dit à je m'en lâche, il fait attention. Qui à chaque fois, il commet guna, il fait tauba, après il fait guna, il fait tauba, Allah il donne sa chance pour faire tauba là. Si jamais arrivé dernier l'air, les comètes gounala, si les pas gré, gagne l'occasion de faire taouba là qui vont arriver. À cause de ça, les diables, les préférables, tu es éloigné avec gouna. Ça, dans Sahih Muslim. Ensuite, dans Sahih Bukhari, nous vous terminons avec ça. Dans même page, quand on dit au hadith numéro 7507, juste avant ça, Nabi Karim Pekod, un djoumoun d'Abanou Israël. Et je m'en demande les autres hommes. Je m'en là, il n'y a pas fait aucun bon amal. Lam ya'mal khayran qat. Je m'en là, il n'y a pas fait aucun bon amal. Je m'en là, il n'y a pas fait aucun bon amal. Mais seulement, il y a une frayeur. Il y a une frayeur pour Allah. Il reconnaît un jour, il y a un rencontre devant Allah. L'état, il arrive là, sur l'amour, il fait aussi à ce bon garçon. Il dit, quand on gagne mon amour, brille-moi. Brille-moi. Et ça, la sanna de tes papilles dans la mer et la moitié dans la terre. Les yeux à mon père, attention, mon rab, pour poser moi question, mon rab, qui a répondu. Avec sa prière, là, l'Indien, souvent, n'a pas fait ça. Et souvent, n'a pas fait ça. La loi dans mon chéri est avant, c'est différent. Alors, du monde, là, il fait ça. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, les yeux, Allah, Rabbul Alamin, donne l'eau de la mer, rassemblée, ça, la poussière, là. Allah donne l'eau de la terre, rassemblée sur la poussière là. Et Allah, Rabbul Alamin, fait revivre sa djoumoun là. Allah pose des questions, qui cherche à faire ça? Vous connaissez djoumoun là qui répond? L'idéal, la moune fait ça pour t'offrir, Jésus. Jésus, moi, tiens, khauf, comment vous rendre compte devant toi? Allah dit, allez, me pardonne-toi. Nabi Karim dit, fara, fara, là. Nabi Karim dit, Allah, il pardonne. C'est-à-dire pour sa khauf qu'il tient là. Et malheureusement, sa khauf là in allé, nous pouvons commettre gona en derrière l'autre, nous pouvons aller et nous sentir nous grand noir, nous sentir nous fiers. C'est ça qui est grave. Allah Rabbul Alamin donne taufiq. Allah Rabbul Alamin donne nous taufiq et tauba. Et Allah Rabbul Alamin éloigne nous avec man gona. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد دمرت. الله أكبر. الله أكبر. الله
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن الله سبحانه وتعالى وفقنا للإيمان وهدانا للإسلام وجعلنا من أمة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، نحن عباد الله سبحانه وتعالى، نحن ضعفاء ولنا معصيات. أيها الإخوة الأعزاء، ولنا ذنوب كثيرة. واعلموا أيها الإخوة الأعزاء أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوبة، فعلينا أن نرجع إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله أمرنا في كتابه العزيز: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسارع إلى مغفرته وإلى جنته. أيها الإخوة الأعزاء، الجنة التي أعدت للمتقين، والله سبحانه وتعالى يصف المتقين فيقول الله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأسأل الله أن يجعلنا منهم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، لا سيما على أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى الإمامين الحسن والحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى عمين المعظمين عند الله وعند الناس المطهرين من الدنس والأوجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى تمام الأشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم أخرج اليهود من فلسطين، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم إنا نجعلك على نحورهم، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى، وعرش أجل وأهم وأتقوا أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وبارك وسلم آمين آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا أنت السلام ومن حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا هذه صلاة الجمعة بجماعة المسلمين برحمتك يا رب